Au début du XXe siècle, la population de Paris était plus importante qu'aujourd'hui. Les moyens de transport en commun faisaient déjà partie du paysage de la ville. Comme les monuments historiques, les moyens de transport appartiennent au patrimoine parisien. C'est grâce à la diversité des moyens de locomotion qu'aujourd'hui, Paris roule. Depuis le XVIIe siècle, Paris dispose de moyens de transport collectifs. Fiacres, omnibus, tramways, ce sont les chevaux qui, au début, assuraient la traction. Bien plus tard, le relais sera pris par la mécanique. En 1875, les premiers tramways automoteurs sont lancés. Mais ce n'est qu'en 1913 que disparaîtra l'omnibus à traction chevaline. Cependant, Paris a toujours disposé d'une voie de communication naturelle, la Seine. En 1866, les bateaux qui transportaient principalement des marchandises commencèrent à transporter des passagers. Des services réguliers de bateaux omnibus, déjà les bateaux-mouches, desservent de nombreuses stations le long du fleuve. Les voyageurs se rendent compte que, vu de la Seine, la ville est encore plus belle. Le palais du Trocadéro, le pont des Arts, le Grand Palais. La statue d'Henri IV. La conciergerie. Le pont Neuf. Les autobus. Ils sillonnent Paris depuis 1906. Le tramway électrique. D'abord réservé à la banlieue, car les fils étaient jugés inesthétiques pour la capitale, le tramway mécanique conquiert Paris au début des années 1900. Dans la circulation parisienne, il est prioritaire sur tous les autres véhicules. Mais le fait qu'il soit immergé dans le trafic causera sa perte. Il disparaîtra, temporairement, en 1937. Yeah.
1900. Un événement majeur suscite le scepticisme. Le lancement du métropolitain. Les Parisiens ne sont pas des taupes. Ils ne descendront jamais dans ce trou. Erreur. Le métro est un succès immédiat. Et la compagnie du chemin de fer métropolitain attire les foules de passagers. La décision de créer ce nouveau moyen de transport avait été prise 5 ans plus tôt. L'exposition universelle de 1889 avait laissé un mauvais souvenir en raison de la carence de transports en commun. Paris ne pouvait pas se permettre de nouvelles lacunes. Dans la perspective d'un événement qui devait marquer l'entrée dans le XXe siècle, l'exposition universelle de 1900. L'exposition accueillera plus de 50 millions de visiteurs. Elle sera un immense succès et contribuera largement au rayonnement de Paris. Plus tard, l'exposition coloniale internationale aura lieu à la Porte Dorée sur le site du Bois de Vincennes. L'exposition coloniale accueillera 34 millions de visiteurs en 6 mois. Paris avait largement rattrapé son retard en matière de moyens de transport en commun, principalement grâce au métro, qui depuis 1900 n'a cessé de se développer. Ce n'est qu'après 40 années d'hésitation et de projets divers que le 22 novembre 1895, le gouvernement décide la création d'un métropolitain à Paris. Ce sera à la ville de Paris de concevoir et développer son métro. Il fallait être prêt pour le 14 avril 1900, date d'ouverture de l'exposition universelle. Les travaux furent menés à un rythme extraordinaire. Il ne fallut que 17 mois pour construire la ligne 1, qui reliait la Porte Maillot à la Porte de Vincennes. Malgré cette prouesse, l'inauguration n'eut lieu que le 19 juillet, soit avec 3 mois de retard sur l'ouverture de l'exposition. La nature du sous-sol parisien réservait bien des surprises. Il fallut donc déployer parfois des trésors d'imagination pour trouver des solutions techniques adaptées. Clive Lamming est spécialiste des chemins de fer. Le métro de Paris a une particularité, c'est qu'il est construit à faible profondeur. Et exactement, c'est un tramway urbain qui est simplement construit 10 à 15 mètres plus bas que les chaussées des rues. C'est le système du cut and cover qui consiste à faire une tranchée dans les rues à l'époque, ce sont des travaux considérables, et on les recouvre simplement avec une chaussée. Et pour creuser les premières lignes, on a suivi tout simplement le plan des voies de circulation. Donc c'est un métro qui a coûté relativement peu cher et qui suit les tracés des rues qui ne passent que très rarement sous les maisons. La seule exception, c'est les traversées sous la Seine. Et les premières voitures, en bois, sont conçues pour répondre aux normes d'un chemin de fer souterrain. Le métro devient vite très populaire. Chaque ouverture de ligne sera désormais inaugurée en grande pompe. Et les politiciens comprirent vite le parti qu'ils pouvaient en tirer. Il était bon de se montrer et de participer aux inaugurations. Le 15 février 1930 marque une nouvelle et importante étape dans l'histoire du métropolitain de Paris. Ce jour même, Monsieur le ministre des Travaux publics inaugure solennellement 5 km de ligne au cœur de quartiers particulièrement peuplés et jusqu'ici déshérités comme moyen de transport. C'est en fanfare que les nouvelles lignes sont inaugurées. Et Georges Pernot, ministre des Travaux publics, tient à être le premier à tester les nouvelles voies. Au fur et à mesure que la population de Paris devenait plus dense et que la circulation y devenait plus difficile, on construisait ou on creusait de nouveaux tunnels et des trains chaque jour plus nombreux emportaient des voyageurs chaque jour plus nombreux sur les lignes du métro. Et les ouvertures de stations se succèdent.
De 1900 à 1937, plus de 320 stations sont ouvertes, ne laissant aucun point de Paris à plus de 400 mètres d'une bouche de métro. Et c'est grâce, notamment, à tous ces grands travaux qu'aujourd'hui, Paris roule. Le nom d'une station rappelle à lui seul tout un pan de l'histoire du métro. Montparnasse, bienvenue. Mais au fait, pourquoi bienvenue ? Oh, je sais pas du tout. Aucune idée. Non, aucune idée. Non, je sais pas. Ah, we don't know. We are from Israel. Je me pose vraiment cette question, mais je connais pas la réponse. Je sais pas, peut-être c'est touristique pour la tour. Parce que la ville est très accueillante. Alors, il me semble que c'est le créateur du métro. C'est celui qui a créé le métro à Paris. Mais je ne suis pas sûr. Monsieur, bienvenue. À qui l'intelligente gratitude de la population parisienne a donné le nom désormais impérissable de père du métropolitain. Fulgence, bienvenue. Polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées et breton, donnera 34 ans de sa vie à la construction et au développement du métro. C'est lui qui décida que toutes les lignes seraient indépendantes, de manière à ce que les voyageurs n'aient pas à se demander quelle est la destination du train quand il entre dans la station. L'ensemble des lignes, lorsque les prévisions actuelles auront été réalisées, dépassera 160 km pour le réseau urbain et sera de plus de 200 km après son extension dans le réseau de banlieue. L'homme est tenace et ne raisonne que sur le long terme. En 1929, à l'âge de 77 ans, il entreprend le grand programme de prolongement des lignes de métro en banlieue. Fulgence Bienvenue prend sa retraite à 80 ans et laisse derrière lui l'une des plus grandes réalisations urbaines du XXe siècle. C'est une prouesse qui est aussi importante, je dirais, qu'aujourd'hui la conquête de la Lune, n'est-ce pas ? Parce qu'on est arrivé dans le métro de Paris à faire des exploits techniques sous terre dans des endroits où nous avons jamais été à l'époque. Exemple de prouesse technique, la station Saint-Michel. Il s'agissait, à cet endroit, de faire traverser la Seine à la ligne numéro 4. On décida de créer les éléments d'une station en métal qui serait ensuite enfouie dans le sol. Il a fallu, là aussi, trouver des solutions ingénieuses. Antoine Dupin, directeur territorial à la RATP. Par exemple, pour traverser la Seine à Saint-Michel, on a créé une usine de congélation pour congeler les terrains qui étaient très mous en dessous de la Seine. Il fallait en effet que le sol soit dur pour y creuser une tranchée destinée à recevoir les énormes caissons qui deviendront le tunnel sous la Seine. Il fallut immerger 5 caissons d'une longueur totale de plus de 440 mètres pour créer le tunnel. Ça faisait bloup, 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 cet énorme vaisseau, n'est-ce pas ? Est descendu comme une coque de navire, c'est la coque du Titanic qui allait se loger d'elle-même en profondeur, là où est la voie actuelle. Autre exemple d'ingéniosité, la station Gare de l'Est. Ici, il a fallu amener le métro sous la gare du chemin de fer.
Si on scie à cette colonne, ce serait très dangereux parce qu'elle remplace un des piliers du bâtiment d'origine et elle permet en somme au métro de venir se loger sous l'angle de la face. Ce pilier est au cœur du système très complexe créé entre la station de métro et la gare de l'Est. Il a fallu que l'une accepte l'autre, ce qui n'était pas rien. Cette station est le plus grand ouvrage d'art du genre dans le réseau du métro de Paris, avec effectivement de très longues traverses, n'est-ce pas, métalliques qui soutiennent la chaussée de la rue. Si je montais 4 mètres plus haut, je me retrouvais directement sous les roues des taxis qui sont stationnés plus haut. Donc nous sommes au cœur même d'un univers technique très complexe. Les concepteurs du métro tirait une grande fierté de certains ouvrages qui alliaient prouesse technique et beauté architecturale. Le viaduc d'Austerlitz en est un bel exemple. Le défi était de franchir à la fois la Seine, le port d'Austerlitz et celui de la Râpée sur une distance de près de 900 mètres. Un ouvrage de 140 mètres de portée entre ces deux piliers fut réalisé en 1903-1904. Le viaduc d'Austerlitz surpassait ainsi le pont Alexandre III et ses 107,50 mètres de portée. Illuminé pour son entrée dans le 21e siècle, le viaduc d'Austerlitz restera longtemps encore un modèle de l'alliance entre le progrès technique et l'esthétique. Depuis plus d'un siècle, concepteurs, ingénieurs et ouvriers travaillent de concert au développement du métro en explorant les techniques nouvelles. L'évolution technique majeure de la fin du siècle dernier, ça a été la création d'abord du métro sur pneus. On est passé du métro fer au métro sur pneus. Et également du métro automatique, puisque la RATP, avec la ligne 14, a été pionnière du métro automatique. Pour que tout cela fonctionne, il faut bien un système de paiement et surtout une très bonne organisation. Jusque dans les années 1970, la présence de l'homme sera indispensable à tous les postes. Il faudra des dizaines d'années pour que la machine, progressivement, prenne le relais pour certaines fonctions. Pour certaines tâches, l'homme était jugé irremplaçable. Jusqu'en 1971, chaque rame disposait d'un chef de train qui jouait aussi, en cas de besoin, le rôle de pousseur. Quant au contrôleur, il a toujours été bien présent. Pardon, monsieur, vous avez un billet, s'il vous plaît? Voilà. Ah, c'est un billet de deuxième classe. Ah, mais j'ai des billets de première aussi. Non, monsieur, les billets de première classe ne sont valables que s'ils ont été contrôlés à l'entrée de la station. Je regrette, vous me devez 50 francs.
Madame, votre billet, s'il vous plaît. Merci. Billet, s'il vous plaît. Merci. Billet. Quand un passager n'a pas la conscience tranquille, ça se voit. Et cela facilite la tâche du contrôleur. S'il vous plaît. Monsieur, vous avez un billet. Voilà. Ah, vous avez un billet de deuxième classe. Oui. Et vous êtes en première. Alors, c'est 50 francs. Ah. Dans une foule aussi importante, il y a forcément quelques resquilleurs. Mais les contrôleurs veillent. Un tour de moulinette et tout s'arrange. Au contact du public, on apprend à être philosophe. Madame, ah, vous savez, hein, le monde n'est pas parfait. Et pourtant, Paris roule. Au fil du temps, les méthodes de paiement ont évolué. La poinçonneuse a été remplacée à partir de 1972 par des tourniquets tripodes automatiques. 4,80. Aujourd'hui, la receveuse est toujours là, mais pour combien de temps? Car les machines sont de plus en plus présentes, de plus en plus performantes. Pour être conducteur d'autobus, à la belle époque, il fallait connaître la mécanique et bien connaître sa machine. Car, en cours de route, pas question de faire appel à une dépanneuse. Hier comme aujourd'hui, être conducteur de bus, cela présente certains avantages. Surtout lorsqu'on est affecté à certaines lignes. Bah, à mon avis, c'est la plus belle ligne parce que bon, déjà on remonte les Champs-Élysées. À mon avis, j'ai pas mal voyagé. Je crois que c'est la plus belle avenue du monde. Enfin, moi, j'aime bien surtout rouler toute la période d'hiver, de décembre à janvier, parce que quand il y a tous les éclairages et tout, il y a pas mal de touristes. Et puis ils sont toujours émerveillés, mais même moi qui le fais... tous les ans, donc depuis 25 ans, bah, je suis toujours... ça m'arrive même des fois de m'arrêter et puis de prendre des photos. Et oui, certains machinistes sont aussi photographes. Pour être tramino, conducteur de tramway, il fallait aussi être polyvalent et bien connaître son véhicule. Même si le tramway était prioritaire, il ne fallait pas, à Paris, dépasser les 20 km/h. Il fallait aussi négocier prudemment les bifurcations, pour ne pas trop secouer les passagers.
Conduire un tramway aujourd'hui, est-ce plus simple ou plus compliqué? C'est vrai que la première fois que je suis parti en formation, j'avais l'impression que c'était compliqué. Et puis en fait, avec une bonne formation, ça se conduit simplement en fait. Hein. Les boutons qu'on voit, c'est surtout des boutons pour ce qui est de manipuler les feux au carrefour, et manipuler les portes, les ouvertures et fermetures de portes. Sous terre, d'autres rails, d'autres conducteurs. Autrefois, le conducteur de métro devait être français, avoir fait son service militaire, avoir une taille minimum de 1,60 m. Il travaillait 9h45 par jour, avec un jour de repos tous les 8 jours. Aujourd'hui, tout cela a un peu changé. Bah, ça évolue que de plus en plus on va vers l'automatisme, hein. Faut pas se leurrer. Mais bon, on garde quand même un caractère, on va dire, professionnel, naturellement. Des moyens de transport sans incident, à Paris ou ailleurs, ça n'a jamais existé. Il y a les collisions. Les défaillances mécaniques. Les trajectoires qui mouillent. Les dérapages, plus ou moins contrôlés. Les débuts d'incendie. Les déraillements. Le brouillard. Où intervient le bâton pilote? Pour éviter toute mauvaise surprise, il suffisait de suivre le bâton. Ou encore, les inondations, comme la crue de 1910. Le chef de station a toujours eu un rôle clé au niveau de la sécurité. Il assure notamment la liaison avec le chef de ligne et le poste de contrôle qui réagit en cas d'incident. Dégagement de fumée à 434 voie 1. Robert, matricule 2327, chef surveillant, donne l'ordre à 20h52 de remettre le courant sur la section Lamotte-Piquet-Madeleine, barrette remise en place.
Aujourd'hui, c'est le même principe, avec un matériel un peu plus moderne. Nec plus ultra de la technologie, la ligne Météor, la ligne 14 par exemple, est entièrement automatique. 500 000 passagers l'empruntent chaque jour, sous le regard des caméras du PCC, le poste de commande et de contrôle. Nombre de passagers du métro en 1900, 17 700 000. Nombre de passagers un an plus tard, près de 60 millions. Nombre de passagers aujourd'hui, près de 1,5 milliard par an. Mais c'est en 1945, l'année de la fin de la guerre, que tous les records ont été battus, plus de 1,5 milliard de passagers. Joli métropolitain, métropolitain. Le visage de la capitale n'est pas celui de la rue Pigalle. C'est ça l'argent, le jeu, l'amour, mais la vie de tous les jours. C'est le monsieur étourdi qui se lève et qui crie, bon sang, je descends ici, métro. Le métro est un lieu de vie. Depuis l'origine, le métro parisien est fréquenté par des musiciens à la recherche d'une reconnaissance artistique et d'un lieu d'expression. Aujourd'hui, 300 musiciens sont accrédités, et pas n'importe lesquels. J'ai fait les premières parties de Keza Jones, Néné Chéri, tout ça, je veux dire, ça vient du métro. C'est une école, c'est une salle de répétition et c'est une couleur, c'est un pays, le métro. Vraiment chanter, quoi. Il faut essayer d'accrocher chacun qui passe. Parce que quand on joue en concert, les gens, ils ont payé, donc ils viennent, absolument, ils vont voir ton concert, si mauvais ou pas mauvais. Mais quand on joue dans le métro, ça les intéresse pas. Voilà, chacun passe, on est pressé. Et celui qui reste, qui écoute, c'est que vraiment ça l'intéresse, c'est que vraiment tu l'accroches. Je me dis papa, 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 papa. Et toujours, Paris roule. Le métro est un monde fermé. Il lui fallait des ouvertures vers l'extérieur. Des ouvertures sur le rêve. Une des solutions, la publicité. Attirée par un public captif extrêmement important. En 1932, le métro transportait un peu plus de 2 millions de voyageurs par jour. En 1942, près de 3,5 millions.
voile autour de la Terre. En mettant bout à bout les parcours quotidiens des trains en service, on arrive à un total de 80 000 km. Il y a toujours eu beaucoup de trafic. Hein. Le trafic le plus important de la RATP était au sortir de la guerre, hein, de 45. Et on a retrouvé ce pic de trafic très important dans les années 98-2000. Et c'est sûr que c'est cette audience que viennent chercher les annonceurs dans ces lieux-là. Norbert Maire est directeur innovation Métrobus Publicité. Pour lui, la publicité dans le métro a toujours répondu à deux impératifs, l'animation des lieux et la rentabilité. Donc là, l'idée, c'était évidemment de faire vivre du côté RATP les espaces et de les valoriser, évidemment, pour avoir des recettes supplémentaires aux recettes transport. Certaines publicités du métro méritent de figurer en bonne place dans le patrimoine parisien. Car la publicité ne s'est pas limitée à la simple affiche. Il y a eu de la peinture sur les murs, il y a eu du carrelage, il y a eu des tas d'exploitations très différentes de l'espace. Le métro est un monde, un espace de vie, qui doit être entretenu. Et la nuit, depuis toujours, on brique et on astique. Pour éviter le stress, il faut que l'univers du métro soit aussi un lieu de plaisir et surtout qu'il réponde à une logique. Yokami Nagai, responsable du design à la RATP. Je compare souvent l'espace de transport à une sorte de scène de théâtre où des personnages doivent participer à une pièce. Et un siège, un système d'information, une signalétique, un matériel roulant, tous ces éléments sont des personnages de la scène du transport urbain que le voyageur, spectateur finalement, et participant au spectacle même, regarde. Oui, le métro est en quelque sorte un spectacle. Un spectacle qui n'est pas toujours facile à monter. La difficulté est que ces personnages sont générés par des metteurs en scène d'époques différentes. Et il y a peut-être plusieurs metteurs en scène. Donc nous, on est le metteur en scène des metteurs en scène finalement. On coordonne l'ensemble de personnages pour que l'histoire soit vraisemblable et que dans le parcours du voyageur, les choses s'enchaînent de la façon la plus logique et la plus facile possible. Rien de plus logique aussi que de concevoir certaines stations en fonction du pari de la surface.
La station Louvre est exemplaire. Un pied hors de la rame et le voyageur a déjà l'impression d'être dans l'un des sanctuaires de la culture mondiale. Ou la station Tuileries, considérée comme station patrimoine. Au mur, des collages illustrant l'histoire de chacune des décennies du XXe siècle. Pour les années 40, la rencontre entre Charlie Chaplin et Bécassine. La station Concorde est recouverte d'un Scrabble géant qui assemble les lettres de la Déclaration des droits de l'homme. La voûte de la station Cluny-la-Sorbonne est couverte des signatures de célébrités du Quartier Latin. Arts et métiers est l'antichambre du musée dédié à la science et à la technique. On se retrouve transporté dans l'univers du Nautilus de Jules Verne. Elles sont inimitables. On ne peut visiter Paris sans remarquer les lignes courbes de ces entrées de métro de style Art Nouveau. Elles sont signées par l'architecte Hector Guimard, qui travaillait pour le compte de la compagnie du métro parisien. Avec un objectif de communication, c'est de donner une image au métro qui soit une image extrêmement moderne, d'une utopie réalisée, alors que, à l'époque, le métro faisait peur. Oui, au début, certains pensaient que les Parisiens auraient peur d'emprunter le métro. C'est une des raisons pour lesquelles Guimard a misé sur une esthétique qui rassure. Mais le style Guimard ne plaisait pas à tout le monde. Et celui que l'on surnomme le chantre de l'art nouveau fut remercié par la compagnie du métro parisien en 1904. Aujourd'hui, son œuvre fait partie du patrimoine culturel parisien. Les éléments des 86 entrées qui subsistent, sur les 141 qui ont été construites, sont soigneusement entretenus par des compagnons qui disposent toujours des moules d'origine. Ne cherchez pas sur le plan de Paris ces stations qui s'appellent Martin-Nadaud, qui s'appellent Axo, qui s'appellent Arsenal. Ce sont des stations qui ont existé à une certaine époque et qui ont fermé. Ces stations fantômes, parfois, elles n'ont jamais ouvert. C'est le cas, par exemple, de la station Axo. On a créé les quais, mais on n'a jamais ouvert les escaliers, la raccordant à la surface. Vous êtes dans ce qu'on appelle une station fantôme à Croix-Rouge, sur la ligne 10. Oui, la station Croix-Rouge est fermée depuis 1939 et n'est plus fréquentée que par les fantômes.
Les fantômes qui ont parfois l'occasion de s'initier à l'art moderne et à la culture. Malgré tout, cette station, comme le volume est intact, est l'opportunité d'accueillir de temps en temps des animations culturelles, comme à partir des années 80, ici, on a eu une plage, et en 2008, on a eu une exposition de la BNF. Après ces manifestations, la station Croix-Rouge est restituée à ses fantômes. Nous avons également, et ça c'est important, une station Porte des Lilas, qui est une station qui n'est pas utilisée et qui sert au tournage de films. Lorsque le métro parisien apparaît au cinéma, il est fort probable que les images aient été tournées ici. Cette station est bien sûr appropriée en fonction du décor voulu par le réalisateur et elle sert ainsi à deux grands films. Je pense par exemple à La Grosse Caisse avec Bourville qui, dans les années 60, a permis de découvrir les coulisses du métro. Entre deux tournages, les fantômes peuvent dormir tranquilles, car ces stations ne sont pas accessibles au public. Mais il faut qu'elle garde un peu son secret, cette station. C'est plus une atmosphère qu'on saisit avec ces images. Les stations vivent, elles naissent et parfois aussi elles meurent. Montmartre est un village au cœur du vieux Paris. Sont des visages amis, les artistes peintres, les musiciens, les gens de la honte, les filles de rien, tout le monde partage le même goût de la vie. Montmartre est un village au cœur du vieux Paris. Vous enchantez, vous ravis. Le Sacré-Cœur, le funiculaire, le mur de Je t'aime et la place du Tertre, ce n'est pas un mirage, c'est l'âme de Paris. Montmartre est un... Et toujours, Paris roule. Le chanteur Yves Montand disait dans « La balade de Paris » « Les années ont passé doucement, mais Paris a gardé ses 20 ans. La Seine a creusé son lit entre les quais tout gris de Paris. Il faut croire qu'elle s'y trouve bien, puisqu'elle est encore là, aujourd'hui. »
Seine. So sweet, so sweet, so sweet, so sweet, so sweet. My sweet Paris, Paris, Paris chérie, je suis amoureux de vous. Sweet Paris, Paris, Paris chérie, I am in love with you. My sweet Paris, Paris, Paris chérie, je suis amoureux de vous. Sweet Paris, my Paris, Paris chérie, I am in love with you, in love with you. Paris, Paris, Paris chérie, je suis amoureux de vous.